Deuxième, alors lui, il est avec son maillot bleu, il a été vice-champion de France du trail tour l'année dernière. Les couleurs des Castrats des Dismes sont là, bien galantes. Allez, les derniers mètres pour lui et son maillot violet, le maillot mouillé, les couleurs du Satuc, bien sûr. Karim Oscar de Broise, le cinquième, qui en termine également sous juste les 33 minutes, partant 3-0-6. Vous voyez les concurrents très très rapprochés. Et on a quand même voilà, des bons chronos aujourd'hui malgré le vent. On aura les impressions Mathieu Penza. Mathieu Penza vient de nous rejoindre, on va laisser récupérer. Elle est toujours le top 10. Allez, toujours les couleurs orange, toujours la tribu orange qui est là sous les 34 minutes. Le 8ème Florent. Voilà, Richard Spinato qui a réalisé 2h37 cette année au marathon de Berlin, c'était au mois de septembre dernier. Chrono, donc PC Perret peut-être descend sous les 32 aujourd'hui, bon ça n'a pas été loin, mais vraiment comme tu disais, un très très bon parcours, il y a de quoi de réaliser de très très bonnes performances sur cette ligne. Ah oui, il manque juste les conditions pour le devant, mais je pense que la génération, oui c'est ça exactement, donc là c'est que du bonus. 1h10, il y a une belle 11e place, me semble-t-il, à ce semi-marathon de Saint-Sébastien. Voilà, tout à fait. Bien enseigné. Je m'informe un petit peu quand même. Merci Mathieu, on te retrouve tout à l'heure pour la remise des prix. Les couleurs de Morandon, la Bessionnier. Voilà, Morandon, la Bessionnier. Eh bien, je vous en parle de ce maillot noir. Parce que voilà, Patrick Guilherme qui en termine, ce maillot noir, on aura l'occasion d'en reparler car aujourd'hui les couleurs de Morandon seront représentées du côté des Pays-Bas. Bien sûr, du côté des Pays-Bas, on se retrouvera du côté de Tilburg cet après-midi où sera Mélodie Julia, l'excellente coureuse, membre de l'équipe de France d'athlétisme pour les championnats d'Europe de cross. Elle sera là-bas cet après-midi, Mélodie Julia, pour la course des championnats d'Europe de cross junior. Et Mélodie Julien qui a pris la 4ème place l'an dernier. Et bien on espère que tout se passe bien du côté des Pays-Bas pour elle cet après-midi. Voilà, allez, retour à la course. 36 minutes de course avec Thomas Lamotte qui en termine. Clément Fagis également. On attend bien sûr l'arrivée de la toute première féminine. Et bien il suffit d'en parler. Et voilà là-bas avec sa chevelure blonde, celle qui a été déjà championne de France, déjà championne de France du 1500 mètres en salle, récemment troisième du cross international de Corneau. Applaudissements pour Salon de Leclerc. 36 minutes et 31 secondes. Superbe chrono pour Salon de Leclerc. Vraiment, on peut l'applaudir parce qu'elle s'impose vraiment de très très belle manière, Salon de Leclerc. Voilà, vous voyez, qui récupère. On va recueillir en quelques instants ses impressions à Salon de Leclerc. On va la laisser récupérer. Un petit peu, mais je pense qu'elle doit être contente hein, aujourd'hui de ce chrono de 36 minutes et 30 secondes. Voilà, Salomé Lecoq, et avec Renato Rocori, Salomé Lecoq a été vraiment une belle course aujourd'hui pour elle, qui a été d'ailleurs sélectionnée, elle a été, il me semble-t-il, vice-champion de France, espoir, sélectionnée en équipe de France, c'est sa sélection. Tu connais donc des sélections en équipe de France, tu en as eu plusieurs reprises, toi qui as été plusieurs fois sélectionné pour les Jeux Olympiques, notamment comme on disait à Londres, à Rio, à Tokyo, et plus tard, on n'oublie pas plus tard bien sûr. Très bien, donc, vous êtes athlète, grande athlète française, quatrième meilleure performance française de tous les temps sur 100 mètres et ta participation aussi à Romain de Père Fleur. Oui, quel plaisir d'être ici et d'encourager le sport et de quelle manière avec le marathon, c'est super. Tu cours un petit peu encore, Réna? Oui, comme je disais tout à l'heure, je m'entraîne toujours, mais je fais le marathon. Donc plus de 100 mètres et... Non. Mais je fais de la course à pied et beaucoup d'entraînement d'athlétisme parce que c'est vraiment la base de tous les sports. Très bien. Voilà, donc on va peut-être... Voilà, puis on va recueillir... Les impressions de Salomé Lecoq, voilà, qui est venu accueillir sa camarade de club de Sabalma, Alice Ayou, qui va prendre très certainement la deuxième place, me semble-t-il, Alice, on aura confirmation tout à l'heure. Salomé, viens le retrouver, Salomé, voilà, du Sabalma. Allez,
Allez, salut donc à côté de Rena Fleur-Ocoré, voilà, qui a connu le ski salonné des joueurs de l'équipe de France, espoir, hein, notamment ça, là. Il y a quelques années, mais bon, toujours au top, ça va salonné, ça c'est bien passé, un bien chrono aujourd'hui pour toi, je pense que tu es avec du sourire, tu vas être content de ce chrono. Ouais, j'ai battu mon record, donc ça c'est tout. Voilà. Je m'étais dit, en dessous de 36 secondes, ça serait bien, c'est les 36-50, j'en avais un peu marre. Ah oui, 36-50, c'était il n'y a pas très longtemps, mais ça me dit, là, à ton effet. Ouais, à ton effet, ouais. Et je sentais que j'étais en forme ces derniers temps, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, puis avant la saison de cross, que je vais sûrement passer sur Londres, c'est trop bon exercice. Voilà. Mais après, j'ai pas eu une bonne sensation de toute la course, donc c'est pas lié au parcours. C'est vraiment, peut-être un peu fatigué à la fin d'année. Donc on verra après les crosses, on se rentrera le coup, et peut-être aussi descendre en tous les 36. Voilà, donc maintenant tu vas t'orienter un peu plus sur la route, on voyait beaucoup sur la piste, hein, voilà, et puis une belle carrière sur les champions de France sur 1500 mètres, non, ça, il semble-t-il. Voilà, et donc, voilà, et puis, pour être, est-ce que tu connaissais Rena Fleur-Ocoré? De nom, oui. Voilà, donc voilà, une grande championne, 4 Olympiades pour elle, donc voilà, avec Rena Fleur-Ocoré, et puis Salomé Le Coq qui s'impose magnifiquement sur cette course. Merci Salomé, on se retrouve tout à l'heure au bonheur. Voilà, puis on va continuer bien sûr à accueillir les concurrents. Les concurrents qui ont terminé, vous voyez, on est à 40 minutes de course, hein, encore des superbes chronos. Alors regardez, parce que ça c'est impressionnant quand même, on est à 40 minutes de course et nous avons 175 arrivants quand même, hein. 175 arrivants qui sont sous les 40 minutes, aux alentours de 40 minutes. Voilà, ça fait vraiment le parcours ultra roulant qui a été mis en place aujourd'hui. Et voilà, encore une sociétaire d'UCI Abama, Lisa Maillet, qui sera troisième féminine. Troisième féminine. Et on a peut-être un top 3 pour le UCI Abama aujourd'hui côté féminin. Avec Alice Amieux qui a pris la deuxième place, et Lisa Maillet qui prend la troisième très certainement. Voilà, et on va vous demander de dégager la ligne d'arrivée, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez vous rendre du côté des tribunes là-bas. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, nos amis chiropracteurs qui sont là, nos amis ostéopathes également qui vous attendent sous la tribune. Voilà, ne pas négliger la récupération. Ils sont là pour vous remettre sur pied, pour vous aider à mieux récupérer de votre épreuve et repartir sur vos prochains événements, prochaines courses et prochains entraînements tout simplement. Donc ne pas négliger la récupération. Les ostéopathes, les chiropracteurs sont en place sous les tribunes. Célia Joncar, voilà, Colanie bien sûr, toujours présent, toujours là Célia. Je disais que t'es un peu blessé aujourd'hui, hein. T'es un peu blessé aujourd'hui Célia. J'ai une Célia, bon d'accord, Célia, donc voilà. Célia, me, voilà. Allez, 42-06, 42 minutes, deux abonnements sur ce 10 km, regardez. Il y a encore les concurrents qui terminent, les fêtes féminines également. Voilà, Nicolas Odoux, Thibaut Sanchez, Alexis Bresson, et on est toujours sur les 45 minutes. Hein. Qui est là également. On a vu notre ami Dominique
Dominique Lavigne et Christian Laporte. Voilà, Dominique Lavigne et Christian Laporte qui sont venus aujourd'hui, mes amis qui sont là. Voilà. Présents aujourd'hui, quand Amine, ils ont réalisé un bon chrono, puisqu'ils ont réalisé moins de 45 minutes tous les deux aujourd'hui. Bravo, messieurs. Alors, l'immaculée, s'il vous plaît, dès que vous êtes arrivés, le plus vite possible, allez, il est arrivé. Voilà, il y a beaucoup de concurrents. 1200 participants, je vous rappelle, aujourd'hui, il est sur Rotor. Voilà, on peut aller le voir. Bravo. Voilà, avec ce vent qui est tombé un petit peu, me semble-t-il. Hein, voilà, ça va aider les coureurs aujourd'hui qui sont encore sur ce parcours. Voilà, Joan Grenier, viens nous voir, Joan. Tiens, voilà, l'organisateur du Trail de Bazièges. On a une très, très belle édition cette année, Joan, à Bazièges. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? J'ai mal. Pas mal, alors, explique-nous. Ouais, j'étais parti sur le moins de 40, j'ai fait 39, donc je suis très bon. Ah, mais super. Bon, le parcours est roulant, là. Ouais, il est roulant, il y a quelques petits zigzags sur un kilomètre, là, entre le 4 et le 5, c'est... Ouais, bon, ça va. Ouais. Mais ça va, ça va. Le vent, je m'attendais à être plus bloqué que ça, et finalement, bon, en groupe, tout ça, ça passait. Est-ce qu'on a la prochaine date du train de Bazièges, déjà? Ouais, le 3 novembre 2019. Ah, alors, grand événement, vous pouvez aussi attendre, déjà, mettez sur vos agendas. Le travail de Bazièges, ce sera le 3 novembre 2019. Merci Joël. Merci à toi, Philippe. Allez, on continue. Alors, à nous accueillir les concurrents, 45 minutes. On est passé sur l'heure des 45 minutes, 45 minutes et 20 secondes. Et toujours, regardez le tableau. 400 arrivants, plus de 400 arrivants sur les 45 minutes. Vraiment, grande performance ici. Là. On trouve que ce parcours, nouveau parcours, est vraiment très très performant, mis en place par toute l'équipe Rioux-Saint-Mauclis et la CCR, l'Athletic Coaching Club de Ramonville. Voilà, et pensez bien sûr à dégager la ligne d'arrivée afin de ne pas gêner les concurrents et les concurrentes qui en terminent. Merci beaucoup. Voilà, s'il vous plaît, restez pas sur la ligne d'arrivée. On va vous demander voilà, de sortir, de bien dégager. Voilà, on sait que vous êtes fatigué, bien sûr, après votre épreuve, c'est normal. Et voilà, on va vous demander d'aller récupérer un petit peu là-bas. Du côté des ravitaillements. Voilà, tout le monde. Après, bien sûr, la course des enfants. La course des enfants, là aussi, ils seront nombreux. Allez, on est à 47 minutes. On va arriver aux 500 premiers. 500 concurrents seront sous la barre des 50 minutes. Regardez, le tout triathlon, elles sont là, les maillots jaunes, mesdemoiselles, venez me voir, papa. On va rester là sur le côté. Alors, on a vu, vous avez éclaté, nous sommes de joie avec ce chrono que vous avez réalisé aujourd'hui, vous êtes content. Bonjour, vous appelez comment? Émilie, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Contente du chrono aujourd'hui? Ouais, plutôt contente. On est tout à l'heure, donc très content. Ah, le parcours roulant alors? Ouais. Et vous? Alors, prénom? Eva. Ça s'est bien passé là? Très bien, dur mais bien passé. Bon, très bien, écoutez, on vous laisse récupérer tranquillement. C'est bien. C'était l'objectif pour les 50. Ouais. Bravo à vous. Voilà, regardez, on va au bout de soi avec cette concurrente qui termine. Et puis là, regardez, là, la barrière fatidique de 50 minutes. On est toujours en dessous avec 48-26. Et 550 concurrents qui sont encore sous la barrière des 50 minutes. On va surveiller le chrono.
Et regardez, le meilleur gagne 48 minutes. Il a été régulier. Regardez, 38, 38. Bravo, t'as bien de voir, bien de voir. Allez, le meilleur gagne des 48 minutes avec Yann. Bon, Yann, ça s'est passé? 48 minutes, quelques secondes, tu as respecté tes amis. Non, on était deux en fait, donc le premier était au-dessus, un tout petit peu plus rapide que moi. Et donc ça permet en fait de faire un sens. En gros, voilà. Voilà, donc c'était bien, il n'y a pas trop de vent et super condition. Eh bien super, bravo en tout cas, bravo à vous. Je vous rappelle que nos amis ostéopathes et chiropracteurs sont là pour vous aider pour la récupération musculaire. C'est une chose à polluer, à pas négliger bien sûr, la récupération musculaire pour vos prochains entraînements, pour vos prochaines épreuves. Et donc voilà, ne négligez pas cette récupération, les chiropracteurs sont là pour vous. Alors, on a juste passé les 50 minutes et nous avons plus de 500 participants qui ont franchi cette barre. Voilà, je vous remercie également la participation d'ISPRA, l'Institut l'audiovisuel qui est là pour réaliser un film qui sera noté et diffusé sur le site de la CCR donc à Ramonville. Voilà, ils sont là pour filmer les images à l'arrivée et peut-être vous retrouverez sur ces images une fois que le film sera mis en place avec cette équipe donc de l'ISPRA, l'Institut Institut de l'audiovisuel. Allez, ça continue d'arriver. On est à peu près en dessous des 678 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée. On rappelle bien sûr la victoire de Mathieu Penza qui s'impose de fort belle manière ici. Lui qui inscrit son, pour la première fois son nom sur cette ronde de Romeville. Et la victoire chez les féminines de Salomé Lecoq à la Société Amnesty à Palma qui s'impose avec un magnifique chrono. 36 minutes et 30 secondes. Et si on va accueillir bientôt le vainqueur 2017, David Goss. David Goss qu'on va retrouver, il va venir rejoindre David juste sur la ligne d'arrivée. David Goss va recueillir peut-être ses impressions, lui qui s'est imposé de fort belle manière l'année dernière, qui sera du côté de Barcelone le 31 décembre prochain pour la Corrida. Thank you.
vous rappelle la course des enfants qui partira en quelques minutes avec les enfants qu'on retrouvera là-bas. Bon, pas du tout, on se verra. Le premier départ des enfants au pas du pont Suera. Voilà, on aura plusieurs courses pour les enfants suivant les catégories. Allez, regarde le chrono, 54 minutes. On est tout près des 57 minutes et nous avons pratiquement 800 arrivés. Voilà, 800 concurrents qui vont terminer. Suera. Sous les 55 minutes, oh là, il est 54-31, nos meilleurs d'allure qui sont là. Et on vous demande de dégager le stade qui arrive, s'il vous plaît. Voyez, soyez sympa pour le runner qui arrive, qui en termine. Ne restez pas dans la zone d'arrivée, merci beaucoup. Il faut bien dégager l'arrivée une fois que vous avez terminé. Voilà, il faut passer à vos chaînes ici. Allez, le jeu du club de Saint, s'il vous plaît, on vous demander de juste sortir du stade, voilà, pour ne pas gêner les arrivées, c'est gentil, merci beaucoup. S'il vous plaît, ne gênez pas la ligne d'arrivée, hein, s'il vous plaît. Allez, 55 minutes et 52 secondes. Et nous avons 831 arrivées quand même. Hein, voilà, sous l'heure toujours. Ici même sur le podium, vous pourrez rejoindre les tribunes pour assister à cette grande remise des prix avec bien sûr notre marraine Runa Flor Okori qui sera là pour la remise des récompenses. Grande tête de l'équipe de France d'athlétisme, plusieurs fois sélectionnée l'équipe de France, 4 Olympiades pour elle, triple champion de France du 100 mètres et. Chez événements également à suivre. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous vendredi soir prochain du côté de Verfeuille pour la grande soirée de remise 2018 Challenge Trail Occitanie et le Run d'Or. Nous serons récompensés tous les meilleurs coureurs, tous les meilleurs trailers, tous les meilleurs coureurs sur route de cette année 2018 à Verfeuille vendredi soir prochain à partir de 19h30. On vous attend nombreux, voilà. Autre rendez-vous à noter sur vos agendas, grand rendez-vous de fin d'année également, le 30 décembre prochain, la grande corrida de Hoche. Le 30 décembre prochain, ça sera le dimanche après-midi à partir de 15h pour ce rendez-vous de la corrida de Hoche, fort sympathique, où les gens sont déguisés, voilà, frère. Manière de terminer bien l'année, de vous préparer pour le réveillon de fin d'année, le 30 décembre. On se retrouve du côté de Hoche pour cette superbe corrida. Allez, nous on est toujours sous l'air ici à Ramonville, 58 minutes de course. Alors, est-ce qu'on va arriver aux 1000 concurrents sous l'air?
On en est pour l'instant à 907 arrivés. 58-40. On va regarder ça, on va surveiller, on va se dire que ça va être le petit challenge. Est-ce que nous aurons les 1000 concurrents sous l'heure aujourd'hui? Ça va être peut-être un peu juste. Voilà, on va demander de dégager la ligne d'arrivée, s'il vous plaît. Allez, allez, bravo messieurs, bravo mesdames. Voilà, puis on vous attend bien sûr au niveau des gradins, au niveau des tribunes là-bas, pour la remise des récompenses, grande remise des prix avec notre grande championne, Réna Fleur Okori, qui sera là à 11h30 sur le podium. Et on vous demande bien sûr de bien dégager l'air d'arrivée, s'il vous plaît. Voilà, tranquillement, afin de ne pas gêner les concurrents qui en terminent. 59-40. On regarde, voilà, le nombre d'arrivées, 936 arrivants. Allez, on n'aura pas tout à fait les 1000, hein, pas tout à fait les 1000 sous l'heure. On ne sera pas loin, là, on ne sera pas loin. Allez, 59-55, 59-57, 59-59, 1h tout rond, voilà. 1h tout rond, 950 concurrents, quand même. Hein. Voilà, ce monsieur, waouh, qui saute de joie à l'arrivée, voilà, et ce petit signe là-haut pour lui, pour Marcel bien sûr, qui nous regarde, je suis sûr, là-haut, et dont on a rendu hommage, un très bel hommage ce matin, juste avant le départ. Pour remercier tous les partenaires bien présents aujourd'hui, bien sûr la mairie de Ramonville, on a vu monsieur le maire, monsieur Lubac, qui était là tout à l'heure au départ. On remercie également Décathlon, Escalquins, Malto, qui est Magdurongue pour les enfants, nos amis ostéopathes qui sont là également, que vous pouvez retrouver sur notre ligne, les ostéos, les chiropracteurs qui sont là pour vous aider à mieux récupérer aujourd'hui. On remercie également bien sûr les bénévoles bien présents pour cette 6e édition. C'est la course en bas.